le petit avant après. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh merde. J'ai peur, je vais te laisser tranquille. Parfois, certains lieux abandonnés sont trop flippants pour oser s'y aventurer. Mauvais feeling, mise en danger évidente, c'est du cas par cas. Et quand même les potes vous lâchent pour aller visiter, qu'est-ce qu'on fait ? Perso, j'y suis allé quand même. Mais franchement, j'étais tellement mal que je me suis pas éternisé. C'est pour ça que cette vidéo va pas être bien longue. Pourtant, elle va vous présenter un ensemble de bâtiments assez conséquents. Il s'agit d'anciens hôtels. Cette première belle façade toute défraîchie nous donne bien envie d'aller jeter un œil à l'intérieur. Pour l'anecdote, c'est une anecdote un peu ridicule, mais c'est marrant donc je vous raconte. Alors qu'on attendait devant le bâtiment qu'il y ait moins de monde dans la rue pour se faufiler par l'accès, des gens ont cru qu'on était des genres de touristes qui observaient les vieux bâtiments dans la rue. Du coup, ils se sont mis à observer aussi avec nous. Et puis ça a fini par créer un petit attroupement de touristes qui regardaient tous ensemble. Autant vous dire qu'on a mis du temps avant d'être tranquille, et que depuis, on a un peu revu notre stratégie de discrétion. Complètement effondré. À mon avis, on peut pas aller bien loin. Parce que ça a l'air vraiment très très dégradé. Ouais, oui. Ouais, ils sont peut-être tout grattés de l'intérieur ou je sais pas. L'autre côté, ça ? Non, c'est ouverte. Oui, c'est vrai. Bon, ça va être du bleu. Puis, il y a deux encolères, si pour ça, les peintures, là. Ah, moi, tu trouves ? Quand même, hein. Cet ancien hôtel est à présent une coquille vide. Il a été totalement rasé de l'intérieur. Il reste plus que les planchers des étages, qui eux-mêmes tirent un peu la gueule, je dois dire. Perso, je parierais pas sur leur solidité. Voilà, je pense qu'en fait, c'est vite fait. Ce lieu étant vide, on contourne cette zone pour trouver un autre accès. Ici, c'est un peu plus meublé. Ça sent pas la solidité, tout ça. Ça, le petit avant après. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?
Ouais, non, ça va pas aller loin. Ah, si. Mais on va pas parier sur la solidité là non plus. Là, le bâtiment s'est carrément effondré de l'intérieur. J'ai quand même eu la curiosité de jeter un œil à l'étage. Mais je vous avoue que je suis juste montée en haut des marches et après, j'ai plus osé bouger. Non, t'inquiète. J'arrive. Dans un dernier élan de curiosité, on contourne encore une fois le secteur. Et là, on découvre un passage un peu farfelu vers l'arrière de l'hôtel abandonné. Mais là par contre, mes potes n'ont pas voulu me suivre, parce que ça craignait trop. Je jette donc un œil, seul. Je regrette pas car le lieu va être très photogénique. Mais en vrai, j'avais qu'une envie, c'était de partir très vite d'ici. On est en fait dans le hall immense de l'hôtel abandonné. Tout a brûlé, donc tout est très sombre. Et moi, au milieu de toute cette angoissante obscurité, je suis mal à l'aise. Ça devait être particulièrement chic avant. On discerne encore quelques meubles et de rares objets qui ont miraculeusement survécu aux flammes. Mais alors que je tente une montée à l'étage, je vois que je suis en réalité pas seule ici. Thank you.
chat. N'aie pas peur, petite bête. N'aie pas peur, je vais te laisser tranquille. T'en fais pas. Je vais laisser ce petit chat tranquille. Je pense que, contrairement à moi, lui est encore assez léger pour aller se promener là-haut. Je tente quand même une visite par un dernier accès, mais je comprends vite que c'est mort. C'est beaucoup trop risqué ici. Je quitte les lieux avec un sentiment d'urbex inachevé, ce qui est peut-être mieux comme ça. Il vaut mieux partir un peu frustré qu'un peu morte à cause d'un effondrement, hein ?